Bonjour ou bonsoir, mes Sagittaires, c'est Nathie, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, là c'est une générale, hein. De toute façon sur YouTube, hein, on n'a pas le droit de faire de privé, et donc c'est une générale. Donc ça va parler, vous êtes beaucoup nombreux à regarder, donc vous prenez vraiment si ça vous parle ou non. Si ça ne vous parle pas, ben, ça parlera une autre fois, il y aura d'autres vidéos. Voilà, donc il faut que vraiment ça vibre, que vous le ressentez, que c'est pour vous, et que vous vous dites, Nati, les guides me parlent à moi en fait. Hein. Voilà, et je voulais vous remercier pour tout. Il y a une promotion, donc j'ai déjà posté le post pour mes abonnés, et merci de votre abonnement pour ceux qui vont s'abonner et ceux qui sont déjà abonnés. Donc, merci pour tout d'ailleurs. Donc, ici, la promotion, elle est du 22 juillet, donc demain, à partir de demain. Donc, vous pouvez déjà bloquer un créneau horaire. J'ai ouvert le site puisque j'étais très sollicitée. Donc, j'ai dû fermer mon site en fait. Et puis, j'avais plein de choses à faire. Donc, promotion à partir du 22 juillet jusqu'au 9 août. Donc deux domaines passent au lieu de 55 euros à 50 euros. Trois domaines, c'est au lieu de 70 euros, ça passe à 60 euros. Hein, d'accord? Pour le soin ancestral, c'est 120 euros par personne, ça passe à 100 euros pile. Donc, au lieu de 120, 100 euros pile par personne. Ceux qui ne connaissent pas, donc vous pouvez justement aller sur mon site Nati Natura, mais vous avez tout, hein, en dessous de la vidéo. Et il y a un récapitulatif. Et si vous vous reconnaissez dedans et que vous en avez besoin, il faut pas hésiter à investir sur soi-même, hein, d'accord? C'est un soin ancestral, donc c'est héréditaire chez nous. Donc en fait, si vous voulez, on le lègue à une personne. Mais cette personne, elle est initiée, on sait qui est-ce. Hein, entre autres, moi, c'est ma grand-mère qui m'a légué donc les paroles sacrées, et j'ai été initiée. Vous avez de toute façon l'explication. Et quand vous réglez ce soin, si vous êtes intéressé et que vous en avez besoin, hein, d'accord, pour guérir de justement, par exemple, des chocs émotionnels, mais c'est écrit, hein, de toute façon, il y a différentes choses, eh bien, parce que c'est au cas par cas aussi, eh bien, vous laissez votre numéro de téléphone, hein, une fois que vous avez réglé, vous laissez le numéro de téléphone et je vous envoie un SMS en vous disant que c'est Nati. Et quand est-ce qu'on peut savoir au téléphone, à peu près, on va dire 20-30 minutes. Oui, 20 minutes, parce que je tire quelques cartes et pour savoir sur quoi je vais travailler. Et vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous voulez aussi. Hein. Donc, c'est sûr que oui, c'est énergétique. C'est pas que énergétique. C'est-à-dire, ok, je vais vous enlever. C'est très important d'ailleurs. Hein. Tout est important, de vous enlever, de vous décharger, recharger, mais c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin, vous voyez, c'est vraiment par rapport à votre souci, votre problématique et ce qui bloque aussi, hein, d'accord? Donc après, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, moi j'ai fait un résumé, un récapitulatif et il est complet, je trouve. Hein. Et après, bah, on bloquera aussi un rendez-vous, à peu près pareil, 15 à 30 minutes, ça dépend. Ça dépend en fait, parce que des fois c'est plus compliqué que d'autres. Mais des fois vous avez plusieurs choses, il y a du transgénérationnel à couper. Il y a des fois par rapport à une guérison, par rapport à une rupture, un deuil, à vous justement vous aider, hein, de sortir de là. Après, attention. Deuil, rupture, si c'est tout frais, le temps, vous savez, il est très important. Hein. Donc, le temps est légitime et du coup, il y a des étapes hein,
à ne pas brûler parce que justement c'est comme ça que vous bloquez dedans des années et des années. Après ceux qui sont bloqués, justement quel que soit le deuil, hein, il faut en sortir, c'est pour vous. D'accord? Mais je vous expliquerai tout ça. Après ça peut être par rapport à couper, annuler par rapport à de la magie noire aussi. Ou le mauvais œil, et à la fin, de toute façon, pour tout le monde, à la fin, je fais un bouclier de protection. Donc voilà. Alors, 22h20, que des deux, hein. Donc c'est du sentimental, hein. Après, ça peut, si ça vous parle en relationnel ou que vous connaissez quelqu'un, hein, ça peut être votre fille ou vous, ou alors ça, les énergies peuvent être interchangeables, d'accord? Puisque, et c'est à vous d'adapter, hein, d'accord? Donc, on y va. Et là, ça sera les célibataires en couple que vous vivez ensemble sous le même toit ou non. Et là, les triangulaires. Allez. Deux de bâton. On réfléchit sereinement. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'avenir, victoire? Ok. C'est vraiment l'avenir, hein. Ok. Alors, je commence par mes célibataires. Là, il y a un choix à faire, d'accord? Mais je pense que cette décision, elle est prise. Mes célibataires, par rapport, on va voir, on va regarder. Parce que j'ai la victoire, j'ai des bonnes cartes à mes célibataires. Là, on va voir. Hein. Ça veut parler, hein? Waouh, 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 waouh. Tu m'étonnes. C'est waouh, c'est super. La première ligne, là, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ok, là il y a une triangulaire là. Attendez, en haut ça n'a rien à voir. Parce que comme c'est une générale, il y a différents cas de figure. Vous prenez le cas de figure qui vous convient. Bon, alors. Ici, j'ai mes célibataires, vous échangez, il y a des communications, ça vous fait plaisir. Donc, soit vous avez rencontré une personne à travers les réseaux ou alors par rapport à un événement ou en étant invité quelque part, d'accord? Et vous avez échangé les portables, par exemple. Ou les réseaux et que des réseaux vous passez au portable et que vous envoyez des SMS, vous discutez. Donc c'est possible que vous avez déjà rencontré cette personne ou vous allez rencontrer cette personne. Écoutez, là c'est prometteur. Donc on a quelque chose de beau, quelque chose de pérenne, d'accord? Et c'est totalement différent du passé, hein, c'est magnifique. Hein. Donc mes célibataires. Du coup, bah, écoutez, vous reprenez du poil de la bête, vous vous sentez briller, beau, belle, déjà pour vous, mais pour cette personne. Et puis, on reprend de l'assurance, de la confiance, on attire la personne, voilà, on est dans la séduction, vous voyez. Et puis dans la joie aussi. Hein. Bon, par contre, j'ai des célibataires aussi ici que ça ne va pas du tout. Après mes Sagittaires, solaire, lunaire, Vénus, ascendant, descendant, mes Sagittaires, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui regarde pour une ou un Sagittaire, on est d'accord. C'est interchangeable les énergies. Moi j'ai ici quelqu'un qui. J'ai quelqu'un qui se prend la tête. Par rapport à une amitié, d'accord?
Une amitié. Une amitié parce que cette personne, on était dans l'illusion. On était dans l'illusion. Et on était amis. Bien que j'ai une reine, ça peut être ça peut être au travail, d'accord? Ouais, ça peut être au travail. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être au travail, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On parle de collègues, d'amitié, d'accord? Ça peut être au travail ou pas. Mais cette personne vous aime en cachette et même amoureuse de vous en cachette, d'accord? Mais vous partez, vous partez. Alors est-ce que ici vous vous expatriez? Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous déménagez loin? Peut-être pour de l'argent d'ailleurs, meilleure vie, meilleur standing de vie, hein, ça peut être ça aussi. Mais cette personne, elle s'est illusionnée et elle a beaucoup de tendresse, vous voyez, pour vous, cette personne, hein, d'accord? Et peut-être que cette personne va communiquer tout ce que je viens de vous dire, va vous dire la vérité, les sentiments, ou ne le dira pas, cachera pour elle-même, hein, d'accord? Et c'est possible aussi que cette personne, bah, du coup, elle s'est prise la tête. Peut-être qu'elle vous a lancé des piques ou qu'elle a changé, mais elle s'est illusionnée en fait vis-à-vis de vous. Et voilà, moi j'ai des célibataires ici comme ça. J'ai un autre cas de figure où par contre là, j'ai des célibataires qui de l'amitié vous passez au sentimental, hein, d'accord? Donc vous décollez avec cette personne, il y a beaucoup de tendresse, hein, d'accord? Donc par contre, j'ai quelqu'un ici qui vous est tiraillé entre deux personnes, d'accord? Entre votre ex et cette nouvelle personne, je vais dire nouvelle, hein. Vous êtes tiraillé entre deux personnes. Du coup, parce que y a des sentiments par rapport, bon, il y a la rupture, mais il y a des sentiments par rapport à une ex ou un ex, d'accord? Donc ça parlera pas à tout le monde, et voilà. Donc, et peut-être justement, si vous êtes tiraillé par rapport à un ex ou une ex, bah du coup, la seconde personne, la nouvelle personne, on va dire comme ça, elle fait pas le poids. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme il y a des sentiments, des restes, du coup, c'est pour ça que vous êtes tiraillé. Du coup, en fait, vous vous posez des questions là. Est-ce que vous partez pas au lieu de décoller, comme je vous ai dit tout à l'heure? Est-ce qu'on part pas? Et qu'on reste amis, amical, vous voyez. Et puis peut-être que cette personne, ben, vous convient pas, tout simplement aussi, vous voyez. Et que vous vous dites, mais j'ai pas envie de démarrer une relation avec cette personne, même si elle est bien sympathique, bien jolie, bien beau. Mais voilà, je suis pas prêt ou prête, et j'ai pas envie de faire du mal à cette personne et de l'utiliser comme un pansement, vous voyez. Ouais, pour moi, il y a de ça, donc ça parlera à qui ça doit parler, hein, d'accord? Mais là-haut, là, par contre, il y a quelqu'un, c'est pérenne, hein, c'est vraiment bon. Vous vous lancez, c'est le grand amour et il y a des promesses, hein. Alors, ça va être pérenne, hein. De toute façon, on l'a ici, hein. On l'a ici avec cet as de bâton qui est vraiment attiré par quelqu'un, notamment elle est attirée par ce bâton, hein. Qui est en l'air et qui s'est illuminé. Et là, on a du désir, vous voyez, pour quelqu'un. Bon, alors, mais là, c'est de la nouveauté. Et là, c'est quelqu'un de. On est tiraillé. Mais je pense que vous avez raison de bien réfléchir et de bien vous dire. Enfin, vous poser la question. Ouais, bah, c'est vrai, si vous démarrez la relation.
et que vous savez d'avance que ça ne va pas le faire, que cette personne ne vous correspond pas et que vous avez encore des sentiments par rapport à un ex ou une ex, c'est pas la peine de faire du mal à une tierce personne, vous voyez, à autrui, quoi. Parce que ça lui ferait du mal, c'est pour ça que je vous dis ça. Pour d'autres, ici, il y a eu une arnaque au niveau de l'argent, ici. En tout cas, la personne, il y a eu un ex ou alors une nouvelle personne, ça peut être aussi une rencontre. Faites attention parce que cette personne, elle est là que par intérêt, mais vraiment par intérêt. Donc, ouvrez bien les yeux, s'il vous plaît. Allez, ça, c'était mes célibataires. Mais là-haut, alors c'est possible aussi que soit vous ou soit un ex ou une ex sortez beaucoup et il y a eu la triangulaire. Hein. Ça c'est possible. Hein. Soit vous, soit en face de vous, un ex ou une ex. Hein. Ça c'est à vous d'adapter. Hein. Mais moi j'ai quelqu'un qui guérit là vraiment, qui va aller mieux aussi, et j'ai quelqu'un qui va rencontrer une personne. Vous allez vraiment briller, hein, et séduire, vous allez avoir envie de séduire, ouais. Ouais, on a ça. Alors, j'ai des célibataires, par contre, je vois très bien ce qui se passe en fait. Hein. Vous vous réservez. Prenez le temps, c'est légitime. Vous réservez pour quelqu'un plus tard qui va arriver, mais c'est vos exigences et vous avez raison. Et vous avez tellement à faire, on dirait, dans votre vie de vous réaliser, par exemple, de devoir déménager ou par exemple de devoir trouver un autre travail ou tout court un travail, vous voyez. Ou faire une formation, quelque chose, vous voyez, on le voit bien ici. Hein. Alors, en couple, qu'est-ce que ça veut parler? C'est de la folie. Hein. Ok. Bon, là, c'est des faire-part, des fiançailles, mariage, vous êtes protégés, vous vous aimez, c'est magnifique, hein, d'accord? Donc, c'est la grande victoire. C'est la fête aussi, l'événement, hein, événementiel. Hein. On fête quelque chose. Hein. Donc, ça rejoint. Hein, d'accord. Par contre, ici, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Qu'est-ce qui est fin de cycle? Froideur. Balance, Scorpion, Sagittaire, vous êtes là. Tiens, je n'avais pas vu. Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson. Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous voyez si ça vous parle. Sagittaire, ok. J'ai. Bon, ici, félicitations, hein, il y a un événement. Vous évoluez, vous vous élevez à une étape supérieure, vous vous aimez, c'est trop beau. Magnifique. Par contre, et ça ne m'étonne pas les cartes en dessous, hein, d'accord? Il y aura de beaux projets ici. Hein. Par contre, ici, ça n'a rien à voir. J'ai un autre cas de figure. Ouais. Cancer, Lion, Vierge. On a tous les signes. Hein. Eh bien, c'est à vous de voir. Alors, pour certains depuis votre autre, ou vous, hein, ça peut être vous, les énergies sont interchangeables, hein, je vous ai dit, soit vous, soit votre autre a changé, est devenu froid, distant, distante, ou c'est vous, hein, vous adaptez bien entendu, il y a un relâchement, détachement. Une froideur et j'ai quelqu'un qui se dit bah, peut-être je vais voir ailleurs, ma chance elle est ailleurs, vous voyez et ça a pu ce changement, vous l'avez peut-être remarqué,
depuis le printemps ou l'été même, hein, d'accord? Certains, ça va être depuis le printemps, certains là, l'été. Et il y en a un des deux qui espère la résolution des soucis dans ce couple. Mais encore faut-il être à deux. La réconciliation. Je vais monter les cartes. Il y en a un des deux qui espère un nouvel envol, un nouveau souffle, hein, d'accord? On pense beaucoup, on est dans le mental, un des deux. Il y en a un des deux qui est complètement, qui aime. Ça, c'est clair. Qui souhaite l'apaisement dans le couple, la paix. Il y en a un des deux, je vous ai dit, hein, qui pour lui ou pour elle, c'est vraiment l'amour véritable. Mais on a des doutes sur la personne et on a la personne qui est toxique, qui est manipulatrice. Ça peut être aussi toutes les attentions aux dépendances malsaines, mais ça peut être la tromperie également, d'accord? Et on avait en dessous le 3 de coupe qui représente justement la triangulaire. Là, ici, un des deux a de la dépendance affective. Il y en a un des deux qui a tout donné, en fait. Qui s'est donné corps et âme complètement, vous voyez. Sans se garder, sans se méfier, sans se garder. Comment dire, de l'énergie pour soi ou quoi. Et je pense que ouais, on est dans l'obsession, un des deux en tout cas, par rapport à l'autre. Mais c'est ça en fait. Alors on parle de magie noire, mais on parle aussi de. Il y en a un des deux qui est attiré par une personne superficielle qui va pas au fond des choses, hein. Mais qui est superficielle, qui est fêtarde, une personne, hein, il ou elle, hein, vous adaptez. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui, il y a une triangulaire. Alors, est-ce que ça a été consommé ou non? Mais j'en ai un des deux qui, ouais, qui espère vraiment la paix dans le couple. Et l'autre, c'est l'inverse. L'autre est attiré par une tierce personne à l'extérieur du couple, hein, bien entendu. Et qui, alors, soit il y a eu de la magie noire faite, hein, ou soit ça peut être aussi, on est envoûté par la personne, vous voyez. Donc ici, on a deux personnes, hein, deux personnes. Soit c'est vous, mes Sagittaires, soit c'est vous. Qui n'est pas Sagittaire, solaire en tout cas par exemple, mais vous écoutez pour les Sagittaires, parce que ça vous intéresse. Hein. Mais ici, en fait, on est envoûté complètement par cette personne superficielle, par cette personne à l'extérieur, par cette personne aussi qui a de l'attirance et qui vous attire, qui est magnétique aussi, hein, qui sait s'y faire. Et le choix, il y a un choix à faire là ici, hein, ça c'est clair. Ouais, bah qui vous attire, c'est bien ça. Alors, on est dans la ruse, la crise par rapport à l'infidélité, parce que c'est pas la fidélité, la ruse. La ruse, pardon, la séparation, la rupture et l'échec pour l'autre. Donc, il y en a un des deux qui prend du temps, qui ruse. Mais il va falloir faire un choix. Et si vous décidez d'aller avec cette tierce personne, ok. Mais là, on ne peut pas jouer sur deux tableaux, vous voyez. Donc, on vous demande, vos guides vous demandent de faire un choix. Et sinon, bah, peut-être que vous vous en doutez que votre hôte, il ou elle, est attiré à l'extérieur par une tierce personne, que il ou elle a changé. Que il ou elle est devenu
plus distant ou distante, plus froid ou plus froide, peut-être même c'est acheter des, j'en sais rien, des nouveaux caleçons, des nouveaux dessous, et pourtant, ben voilà, mais remets du parfum et n'en mettez plus depuis 2 ans, un exemple, hein. Et sort beaucoup, mais sans vous aussi, et a toujours des rendez-vous. Ouais, bah, il y a la tromperie. Hein. On va être dans. Là, alors, soit c'est vous, hein, dans la tromperie, ou alors c'est on vous trompe. Vous voyez, alors certains, ça va être vous qui trompez, certains et certaines, ça va être l'inverse. Ça va, c'est on vous trompe. Je pense que vous. Il y a un gros point d'interrogation, mais vous vous en doutez quand même, parce qu'il y a des signes, on vous envoie des signes, vous voyez. Ouais. Mais peut-être vous calmez en vous disant non, c'est pas vrai. Et puis là, on a la souffrance. Et là, c'est possible, encore une fois, que. Donc, ça peut être une nouvelle personne. Hein, mais ça peut être aussi une ex. Hein, j'ai ce deuxième cas de figure, une ex ou un ex. Hein, et que là, la personne. Sera dans l'échec et dans les difficultés, et son cœur aura mal, hein, il est transpercé, hein, d'accord? Parce que y en a un des deux qui est amoureux, complètement fou, amoureux de l'autre, et l'autre trompe en fait, hein, d'accord? Ouais. Je pense que là, il y a une crise de couple existentielle. Et que la vérité va éclater, et que soit ici c'est possible que on regrette une ex ou un ex, ou c'est à l'inverse il ou elle qui vous regrette vous, d'accord? Ou alors on a rencontré une nouvelle personne, et donc du coup. Même plus de dialogue, c'est dur. Faut penser à vous, ouais, y a trop de secrets là. Vous avez donné beaucoup là. Si c'est vous, hein, sinon c'est en face de vous, mais il y a la rupture ici. C'est qu'une histoire de temps. Il y a la vérité va se savoir. Pour ça que là, on vous demande de faire un choix et d'être honnête avec vous-même si c'est vous qui trompez. Ou alors, vous étiez en couple et vous êtes parti avec une maîtresse ou un amant, et là, il y a du regret pour une ex ou un ex. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et que les communications sont très compliquées, voire inexistantes. Ça, c'est à vous d'adapter. Mais ici, ouais, j'ai un couple en crise là. Il y en a un des deux qui va apprendre la supercherie, qui va apprendre la duperie, là, ici, hein, la tromperie. Hein. Alors, il y en a, vous avez consommé déjà. Vous avez. Ouais, vous avez franchi le pas. Et il y en a d'autres que non, en fait, vous vous retenez, mais les fantasmes sont dans vos têtes, les pensées sont dans votre tête, en fait. Si c'est vous, hein, ou c'est en face de vous. Mais de toute façon, la personne ici qui est trompée, ou parce qu'il y aura une rupture, hein, je le vois, ça part dans tous les sens, hein. Il y a la rupture avec le temps. Hein. Et le temps, ça peut aller vite, ou dans quelques semaines même, ou un mois ou deux, ou une journée ou deux, ou une semaine. Mais il y aura la rupture. Parce que moi, je pense que vous avez essayé déjà
déjà de vous rabibocher, vous voyez, de vous de se donner une chance. Déjà, alors combien de fois, j'en sais rien, ça peut être une fois, ça peut être deux fois, trois fois. Mais là, j'en ai un des deux. Il y a une tierce personne, hein, c'est ça que je suis en train de vous dire. De toute façon, vous êtes à trois là-dedans. Hein. Voire à quatre. Et pour moi, non, mais c'est possible. Hein. C'est possible que j'ai deux couples ici. Aussi. Hein. C'est possible que j'ai deux couples. Il y a triangulaire, ça, ok, mais c'est possible que des deux côtés on soit pris et qu'on se voit. Et que un des deux ne fait pas le choix et l'autre veut faire le choix, vous voyez, veut aller de l'avant, mais que l'autre ne suit pas, vous voyez. Et sinon, bah, y a triangulaire, hein. Il y a un choix à faire là. On est tiraillé ici quand même, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est tiraillé. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Et il y a des gros doutes, hein. Des gros doutes. Bon, bah là, félicitations, hein. Là, il y a quelque chose de magnifique, un événement magnifique. Vraiment, il y a une évolution, une élévation, hein. C'est pas que mariage, hein. Ça peut être grossesse, naissance, on achète un bien ensemble. Ça peut être. Là, il y a beaucoup d'amour, hein, de toute façon. Ça peut être. On achète un bien ensemble, des documents, ça peut être les fiançailles, ça peut être grossesse, naissance, enfin, beaucoup de choses, hein, mais on s'aime ici, hein, cette ligne-là. Là, je suis allé plus loin, là. Et ouais. Il y en a un des deux qui a changé, hein, ça c'est clair. Et pourquoi? Parce qu'il y a une tierce personne, c'est tout. Alors, pour les triangulaires, on va regarder de suite. Ouais, c'est ça, on est attiré par une autre personne. Ça peut être une ex ou alors une tierce personne aussi. Hein. Ou une nouvelle personne qu'on a rencontrée. Hein. De toute façon, on l'avait la triangulaire ici. Hein. Bon, allez, mes triangulaires, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, la première ligne, oui, ici on s'aime, oui, ici on s'offre des cadeaux, ou alors on se dit, mais tu es mon cadeau, tu es. C'est les plaisirs, on se dit oui, on est dans les plaisirs, hein, vraiment ici, hein. On discute beaucoup. Et par contre, là, évidemment, ah, j'ai un autre cas de figure. Là, ici, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui est parti en vacances. Qui est parti en vacances. Et ça, il s'est passé quelque chose, justement, en secret, d'accord? Alors, c'est soit vous partez en vacances, ou on vous envoie en vacances. Et il se passe en secret, ben on a une maîtresse ou voilà. Ou alors,
on bloque la personne. Ou alors, j'ai ici, parce que j'ai les larmes ici, et il ou elle est revenu avec son ex, et admettre la vérité, ça fait mal, vous voyez? Donc, ça fait mal parce qu'on ne comprend pas que l'autre, votre autre est parti. Et que a arrêté la relation, la triangulaire a arrêté la relation et est revenu avec son ex, enfin son ex ou alors ça a jamais été son ex aussi, ça peut être le cas. En tout cas, il est revenu avec sa femme ou son époux ou alors avec son ou sa partenaire officielle. Et là, j'ai quelqu'un qui est complètement dans les larmes. Dans la tristesse et admettre la vérité, ça fait mal, quoi. Ben, ça fait mal parce que la personne, elle est partie. Ça fait mal parce que la personne, on s'entendait bien. Enfin, on a cru tout ce que il ou elle nous a raconté. Hein. Donc, vous adaptez, parce que ça peut être vous qui êtes revenu avec une ex ou alors plutôt. Parce que ça peut être un divorce, hein. Une instance de divorce où il y a eu une rupture avec la partenaire officielle ou alors il n'y a jamais eu de rupture. Hein. Cette personne, vous étiez avec une personne qui est prise, puisque c'est triangulaire, cette personne qui est prise et elle a fait les choses en cachette et en fait cette personne, elle est partie quoi. Elle est partie de vous, ou alors ça peut être aussi, puis se remet bien avec ça ou son partenaire officiel, et du coup vous êtes dans la tristesse. Après, ça peut être aussi que il ou elle est parti en vacances, en famille, vous voyez, et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, ça va pas ça. On est bloqué. Ou alors, là ici, soit c'est vous qui bloquez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a bloqué. Voilà, ils ont déménagé et la personne, soit elle a rompu avec vous, ou vous a bloqué complètement et vous a lâchement abandonné, quoi. Pourtant, vous avez encore des ressentis ici. C'est soit la personne, elle est partie. Et elle vous a dit j'arrête la relation triangulaire. Ou soit c'est vous hein, qui en a eu marre, c'est possible aussi. Ou alors cette personne elle est partie en famille en vacances. Et pourtant vous vous êtes dit, vous avez vraiment cru en cette personne. Et vous vous êtes dit, c'est mon âme sœur. Et vous avez accepté beaucoup de choses. Hein, et vous avez attendu beaucoup cette personne. Mais c'est possible aussi que ça soit. Que cette personne, elle s'est dit, ben non. Non, je ne franchirai pas le pas. Je reste avec mon couple. Je reste en couple. Avec mon ou ma partenaire officielle et mes enfants, s'il y en a ou non. D'accord? Et que finalement, ouais, on est touché, hein, d'accord? Et c'est possible qu'il y en a un, il y en a un des deux qui part ou un déménagement, ça peut être ça aussi, hein. Ou c'est peut-être vous, hein. Par exemple, si c'est vous qui êtes célibataire, mais en triangulaire, et que vous avez espéré, vous avez cru, c'est peut-être vous qui vous dites, vaut mieux que je déménage, vous voyez? Vaut mieux que je déménage. J'ai cru que c'était mon âme sœur,
Et du coup, il ou elle est revenu avec sa femme, où tout se passe bien, quoi, hein, d'accord? Il y a eu, ils sont réconciliés, résolu les problèmes, et puis que vous vous dites, vaut mieux que je déménage, je parte loin de elle, de lui, hein, ça peut être vous, hein, mais ça peut être en face de vous, c'est à vous d'adapter, hein, bien entendu, hein. Puisque je vous dis, hein, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. Et ça s'est passé là l'été, hein, de toute façon. Ou ça se passera là l'été. Hein. Printemps-été. Hein. Alors peut-être que, ouais. Puis on est touché ici. Hein. Et on a, il faut écouter votre intuition, mais il y a des sentiments, il y a du chagrin, des larmes. Vous vous rappelez, vous vous remémorez la sexualité, les bons moments. Aussi, vous remémorez en fait l'évolution, la progression. Vous y avez vraiment cru. Et il y en a un des deux qui fait l'autruche ici. Voilà. Mais qui peut revenir, vous voyez, qui peut revenir. Et qui vous canasse votre cœur en fait. Du coup, vous êtes bloqué en fait. Hein. Vous êtes bloqué sur cette personne, soit vous, ou soit c'est vous qui bloquez cette personne. Il faut la libérer. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Parce que moi, je ne juge pas, mais là, j'ai une personne en larmes. D'accord? Donc, j'ai une personne en larmes, c'est bien beau de s'envoyer en l'air, mais là, enfin, il y en a un des deux qui laisse l'autre lâchement et qui est en larmes, quoi, dans un état. Mais ça peut être aussi également ces larmes du partenaire ou de la partenaire officielle aussi, hein, d'accord? Ouais. De toute façon, cette personne triste, il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même, un travail en profondeur de dépendance affective, d'accord? Il y a un gros vide béant. Vous l'avez rempli de cette manière. Hein. Et pour d'autres, bah, ça sera la femme ou l'homme, le partenaire ou la partenaire officielle. Et pour la personne qui est lâche, ici, cette personne, elle doit faire un gros travail sur elle-même, mais moi, pour moi, elle ne le fera pas. Hein. Parce qu'elle bloque sur tout ce qui est travail sur elle-même. Elle se dit, moi, j'y crois pas, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, résolution des soucis. Ouais, mais vous voyez, cette personne a réfléchi, elle se dit, ouais, à un moment donné, elle va revenir en se disant, et pourquoi pas retromper. C'est une personne qui trompe, hein. C'est pas une personne, déjà, elle n'est pas fidèle envers elle-même. Et vous n'êtes pas la première personne avec qui il ou elle trompe son partenaire ou sa partenaire, hein, d'accord? Bon, bah écoutez, ça parlera qui ça doit parler. Après, moi, je juge pas, je suis pas là pour ça. Prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais là, il faut faire péter ces blocages-là, karmiques. Il faut faire péter ces chaînes, ce cadenas. Donc là, il y a besoin, je vous dis honnêtement, d'un soin ancestral. Hein. Donc, ça ne vous engage à rien hein, d'aller sur mon site natinatura.com. Vous avez les guidances via les vidéos, puisqu'il y a des personnes qui me commandent des vidéos, puisqu'elles sont très occupées de par leur fonction, et d'autres personnes qui sont un peu timides. Donc vous avez deux méthodes en fait, hein, deux modes, hein, soit par téléphone directement avec moi, ou WhatsApp, hein, ou par téléphone, ou alors vous commandez une vidéo et du coup c'est comme là, hein, vous voyez le tirage, il y a des questions, vous posez vos questions à vous et vous choisissez la formule vidéo
Et voilà, il y a